que la soupe est réalisée par des groupes de salariés en insertion et de bénévoles qui travaillent ensemble à l'épluchage, à la coupe, à la cuisson, à la mise sous sachet. Et entre encadrer des équipes de professionnels et encadrer des gens qui ne savent pas dans quel sens on attrape un potiron pour le couper, parce qu'à mon avis, on avait un jour un expert comptable qui n'a pas dû souvent aider sa femme en cuisine. Donc je veux dire, c'est autre chose. Et je crois que le monde de la cuisine est un monde qui est solidaire, si vous voulez, et qui comprenne, parce que derrière les emplois, il y a aussi la vie des gens, il y a le foyer, il y a la famille, il y a l'alimentation, il y a tout ça. Et je dois dire qu'on n'a pas eu besoin d'être très convaincant. Ils sont partis tout de suite. Je vous dis, en moins d'une semaine, on avait 4 oui. Les chefs des premières éditions nous ont dit, on est prêt à revenir si vous voulez, quand vous voulez. Tous les jours, notre métier est fait de partage en premier lieu. Et puis je pense que la transmission, le partage, c'est un petit peu les valeurs qu'on pourrait partager dans notre métier. Et quand on m'a dit, écoute, viens, participe à l'idée de... à l'idée d'une idée humanitaire ou une idée d'aider quelqu'un ou l'idée d'une association, moi j'ai trouvé ça juste. Bien sûr, on ne peut pas le faire tous les jours, on ne peut pas le faire toutes les semaines, mais de temps en temps, c'est pour nous valorisant également de participer à de telles occasions.